Carlitos! Carlitos! Lâche ce ballon et regarde. Stérile désespéré à l'horizon. Vite, amenez-vous! Allez, venez! Dans l'allée! Tu les vois? Plein aux as, ces stériles. Ils ont pas l'air très souriants. Celui qu'ils choisiront aura une super grande maison. Et ceux qui resteront continueront à vivre comme des cafards. C'est super trop délire! Applique-toi, t'es en train de tout saloper. Et perds pas ma guérite de vue. Oui, entrez. Monsieur et Madame Pardillo. Pradillo, pardon. Bienvenue dans la maison des enfants. Ça n'a pas été trop difficile pour venir? Non, pas du tout. Le seul ennui, c'est que vous êtes loin. Et c'est précisément un des avantages de notre fondation. Un environnement privilégié, le calme, la tranquillité. Asseyez-vous, je vous en prie. Ici, voyez-vous, l'éducation que reçoivent nos petits protégés en fait des enfants sains et respectueux des traditions. Bien, parce que c'est ce que nous recherchons. Un petit garçon... respectueux. Et très bien élevé. Je vous le garantis. C'est pas vrai. Je peux savoir ce qui vous arrive? J'ai une tête de gardien de but ou quoi? Pour être gardien, faudrait que t'aies la même tête que le Gollum. Ne parlez pas comme ça de Marquez. Vous savez qu'il n'aime pas ça. On a vu deux personnes entrer avec Marquez. Tu sais qu'ils viennent chercher? L'enfant que voici correspond en tout point à ce que vous cherchez. Oh. Oh. Concernant votre don envers notre fondation, vous préférez procéder par chèque ou par virement bancaire? C'est comme vous voulez. C'est vrai, j'allais oublier. Ma femme voudrait rencontrer l'enfant avant de... Vous comprenez? Je comprends, oui, c'est normal, bien sûr. Si vous voulez le voir, il est en train de jouer dehors. Super le jeu de Jean, mec. Tu les as tous vus. Allez, génial. Essayez de le coincer. Bien joué, Carlitos. Encore raté. Voyons, où est-il? Ah, c'est celui-là. C'est lui, avec le ballon. C'est lui, là? Oui, celui qui est en bleu. Oh. Oh. Marquez. Marquez. Tu sais qu'ils vont adopter? En tout cas, pas toi. Penalty! N'est-il pas, comment dire, anormalement nerveux? Non. Ce sont ses camarades qu'il dissipe. Mais une fois hors de cet environnement, il redeviendra calme et sage. Oh. Bonne chance. On fait une pause. Carlitos, écoute. Les stériles n'arrêtent pas de te regarder. Ils sont venus pour toi. Bon, tu restes concentré. Tu vas leur prouver que t'es le meilleur. Aujourd'hui, c'est la bonne, ok? Il faut que tu marques ce but. Allez, Carlitos. Ici, vous pouvez voir notre blason. Et notre devise, cognitio cum sanguine ingreditur, qui, comme vous le savez certainement, signifie la connaissance s'acquiert dans la souffrance. Prêt à faire connaissance avec votre fils? Marissa, qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, allons un peu de tenue. Marissa! Carlito! Seguir cada uno de tus sueños, robar dos alas, echarte a volar, luego quedarte a vivir en el cielo. Y Carlitos ahora solo tiene sueños, y hace tiempo que dejó de ser pequeño. Y Carlitos ahora solo tiene sueños, hace tiempo que dejó de ser pequeño. Y Carlitos nunca ceja en el empeño, resistiendo, resistiendo. Je
J'avais confiance en toi. Je croyais que tu allais te mettre sérieusement à étudier et que tu allais laisser tomber le football. Mais une fois de plus, Carlitos, tu me déçois. Mais, monsieur, je ne voulais pas... Tu as déjà 11 ans. L'année prochaine, tu auras 12 ans et tu devras quitter cette fondation. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Les demandes d'adoption à ton égard fondront comme neige au soleil. Seuls les bons élèves ont accès aux meilleures familles. Tu es le seul et unique responsable de cette nouvelle occasion manquée. Marquez, s'il vous plaît, veuillez retirer ce ballon dégoûtant de ma vue. Il est confisqué. Je vais m'occuper de toi. Dès la fin de cette conversation, tu vas apprendre à connaître l'importance, la grandeur et le poids de la culture. Ah ! Tu pourrais pas faire attention, Carlitos ? Désolé. Si je continue à jouer au football et que j'ai une mauvaise note partout, je serai jamais adopté. Pour finir avec des parents coincés comme ceux d'aujourd'hui, non merci. Je sais, mais tu vois, des parents, j'en ai déjà vu une vingtaine. Et à chaque fois, c'est pareil. Je me fais des idées, je range toutes mes affaires dans ma valise et après ils disparaissent. Moi, je pense en avoir rencontré une bonne trentaine. Il y avait même des maigrichons, ça n'a jamais marché. Mais t'arrêtes pas de péter, ça fait mauvais effet. Et alors, au moins comme ça ils sont prévenus. Con mirada ausente asomo a mi ventana. Esa melodía y una foto olvidada. Las aventuras y momentos señalados hoy son secretos en el fondo de un cajón. Notre fondation est passée à côté d'une adoption à cause de votre satané football. J'aimerais qu'une bonne fois pour toutes vous réalisiez que tous vos exploits font partie du passé. Ces exploits, comme vous dites, ne sont pas seulement les miens. Ce sont ceux de l'équipe de San Aldemaro. Ils ne devraient pas faire partie du passé. Vous vivez depuis des années au crochet de cette fondation. Si vous voulez rester ici, plus un seul mot concernant le football aux enfants. Ça a une mauvaise influence sur eux. Ordre et propreté, monsieur Martin. Ordre et propreté. Je veux que cette ampoule soit changée pour demain. Bien, monsieur. Mot de passe? Hippolyto a les cheveux gras. Et? Et a la tête en forme d'ananas. Entrez vite. RAS. Mettez tout en place, croyez. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance numéro 254 du club des ennemis et des survivants à Hippolyto et au Gollum, le CSIG. Carlitos, et mon ballon, tu l'as? Ton ballon, il est... Ben, il est... Je nous ai trouvé des bonbons, dernière génération, fraîchement débarqués du marché noir. C'est à goûte-moi ça. De toute ma vie, j'ai jamais vu une friandise aussi belle que celle-là. C'est le KH2.020, triple goût melon, pastèque et banane. Comment tu as fait pour les trouver? Un appel par-ci, un appel par-là. Je parle couramment chinois. Et ça donne quoi le chinois? Le nom de mes fournisseurs doit rester secret. Bien. Premier point à l'ordre du jour. L'admission de notre bien-aimée Anita dans le CSIG. Qui est pour? Bien, je reposerai la question lors de la prochaine séance. Et maintenant, préparez-vous à un choc. C'est super, trop délire! Télévision couleur, 5 pouces super net, ultime génération anti-reflet.
c'est la Ligue des Champions. Les séances du CICIG vont être encore plus intéressantes qu'avant. Tu m'étonnes. Si Polito nous attrape, on est privé de sortie à vie. Ouh, ça sent le pénalty. Le défenseur arrive par derrière, il rate son tacle. Et oui, c'est une faute indiscutable. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici votre journal. Quel sujet allons-nous développer ce matin? Trompas, réveille-toi. Anita. Trompas, réveille-toi, il est 7h30. Anita, réveille-toi. Anita. Trompas, passe-moi la serviette. La voilà, c'est tard. Carlitos, rattrape-moi ça. Oh. Tu pourrais pas faire attention, non, ce malin? C'est un mal de chien. Je comprends pas. Pourquoi Anita te plaît comme ça? Parce qu'elle est femme, Carlitos. Tellement femme. Hé, hey, Trompas, viens voir. J'espère que c'est une pub avec une belle nana. Il est là! Asseyez-vous. Chers élèves, je vais vous donner les résultats de vos examens de fin de trimestre. Vite, viens voir. Qu'est-ce que tu dis, Gutiérrez? Tu sembles oublier que tu es en classe. Tu pourrais au moins en faire profiter les autres. Ça semble tellement important. Parle! Ben, y a un concours pour former l'équipe nationale de foot qui jouera dans le championnat européen junior. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Retournez à vos places! Retournez vous asseoir tout de suite! Retournez vous asseoir! Retournez à vos places! Tout de suite, allez! Et en silence! Très bien. L'un d'entre vous désire-t-il participer à ce concours ridicule et stupide à la fois? Lève le doigt, Carlitos. Vas-y, Carlitos. Vas-y, lève ton doigt. Personne? Carlitos, c'est la chance de ta vie. Très bien, baissez les mains, c'est bon. Bon. Ceux qui veulent s'inscrire à ce concours peuvent le faire. Ouais! Silence! Si bien sûr, ils ont obtenu 5 à l'examen. C'est foutu. C'est super trop délire. Del Rio. 3 sur 5. Examen raté. Gutiérrez. 0. Examen plus que raté. Pour info, l'espèce de chauve-souris la plus connue ne s'appelle pas Batman. Bermudez, tu as 5. Examen réussi. J'ai réussi, tu te rends compte? Ouais. Malheureusement, il s'avère que ton écriture laisse beaucoup à désirer. Je t'enlève un point. Ce qui fait examen raté. C'est pas juste, vous n'avez pas le droit de m'enlever un point juste pour ça. L'écriture est le reflet de nos aspirations personnelles. Et les tiennes, nous le savons tous, sont pauvres. Tu ne t'intéresses qu'au football. Vous me faites rater juste... Bermudez! Tu ne participeras pas à ce concours, imbécile. C'est clair. En fait, vous avez tous obtenu moins de 5. Passez-vous les feuilles. Veuillez ouvrir votre manuel à la page 66.
Bienvenue dans le monde merveilleux des protozoaires. Ça y est, tu as choisi. Encore un peu de lait? Oui. Merci, Maïté. De rien, Kiki. Pour toi. C'est chouette, hein? C'est le championnat européen junior! Les 4 meilleures équipes d'Europe y participent. Pourquoi t'essayerais pas d'y aller? C'est pas un orphelinat ici, c'est une super forteresse. Va falloir que tu t'en évades. Je suis pas d'accord. Si Carlitos s'échappe pour aller à ce concours, la police courra après lui. Elle le mettra dans un cachot et on ne reverra plus jamais. Salut Carlitos. Salut. A plus, Anita. Elle sait qu'elle me rend dingue quand elle s'approche de moi. C'est ce qu'on appelle la séduction. Qu'est-ce que tu peux être bête? Je comprends pas comment tu peux croire à ça. Qu'est-ce que tu peux être bête? Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu le sais très bien. T'es au régime, Trampas. Au régime? Tu veux me faire perdre ma personnalité ou quoi? Je veux juste que tu perdes les kilos que tu as en trop. Mange-la. Tu verras, c'est très bon. Qu'est-ce que je vous disais? Bientôt, ils nous feront casser des pierres. À quoi tu penses, Carlitos? Au championnat. T'as de la crème sur le nez. Je t'ai pas vu en bas et comme on va bientôt fermer la cuisine, je t'ai fait un sandwich. C'est gentil. Tu veux entrer? Tu t'en vas? Oui, on m'a fait une bonne offre. Excuse-moi. David? Attends, je suis à toi dans une petite minute. Bonne chance alors. Je suis contente pour toi. Très contente. Je suis là, j'étais occupée. Je te rappelle que je suis au boulot. Tu la manges pas? Demain, c'est décidé, je participe au concours. Et rien ne m'arrêtera. Bravo, Carlitos. Carlitos va être un champion. Ouais. Les enfants, silence. J'ai une annonce à vous faire. Étant donné le nombre important de mauvaises notes obtenues à l'examen portant sur votre connaissance du milieu naturel, social et culturel, vous serez heureux d'apprendre que la direction de cet établissement a jugé qu'un cours pratique sur ces sujets serait le bienvenu pour vous tous, tous les élèves de l'école primaire. Demain, visite de Fonia. Ouais. Comme par hasard, il a prévu ça demain. Monsieur Hippolyto? Oui? Les enfants allergiques aux animaux peuvent-ils rester ici? Tu n'es pas allergique aux animaux, Gutiérrez. Ce sont plutôt les animaux qui sont allergiques à ta personne. Tout est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Tout n'est pas fini. On a besoin de ta collaboration, Zeta. Ça va faire mal? Demande ce que tu veux. Je veux mon ballon. T'en auras 20. Au secours! Je suis dans l'arbre, au secours! Au secours! J'espère qu'il ne va rien lui arriver. S'il meurt, ce sera pour la bonne cause. Qu'il repose en paix. Au secours! Au secours! Marquez, je peux savoir ce qui se passe. Ce petit là, il est monté à l'arbre, il ne sait plus comment descendre. Au secours! Bien, descends tout de suite de cet arbre, tu m'entends? Maintenant! Non, si je tombe, je vais casser mes lunettes. Ça m'est égal, obéis! Non! Marquez, aidez-le. Ça marche. Hippolyto va annuler l'excursion. Carlitos, ça va être à nous. Il va tous nous faire sortir du bus et nous, on en profitera pour s'échapper. Je suis génial. Pour la dernière fois, obéis et descends. Non. Parfait. À vous de jouer. Je vais te faire descendre de cet arbre, moi. On y va maintenant.
Faut que tu tiennes. C'est à nous, laisse pas tomber maintenant. Geronimo ! Sale petit chenapan. C'est la cata. On va pas pouvoir s'échapper. Ah ! Oh, mes lunettes sont cassées. Je suis là, au secours ! Les enfants, la planète Terre. C'est sur cette planète que notre espèce grandit et évolue. Et pourtant, en vous voyant, ce n'est pas ce qu'on dirait. On est coincé ici toute la journée, c'est pas la joie. En plus, tu vas même pas pouvoir participer au concours. Je vais m'échapper. Quoi, maintenant? Oui, je vais m'échapper avec Trompas. Ouais. Seta et Flaka, vous restez ici. Vous allez nous couvrir. Où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien. Ils sont peut-être en train de nous faire une blague, Carlitos? Les enfants, salle suivante. Tu sais où il faut aller? C'est là, amène-toi. Allez, au suivant. Formulaire d'inscription de Carlitos Bermudez. Tout est en règle. Est-ce que c'est toi, Carlitos Bermudez? Non, Carlitos Bermudez, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe avec ton ami? Il est muet? Non, je suis son manager. Son manager? Écoutez, on est orphelins tous les deux. Monsieur Hippolyto est notre tuteur. On a sa permission totale d'être ici. Sa permission totale? Totale. Hippolyto, le très gros? Donne-moi un numéro, s'il te plaît. Bien. File te mettre en tenue. Au suivant. Allez, petit. Maintenant, montre-nous ce que tu sais faire. Nunca tuve dinero, ni un simple te quiero, ni oportunidad. C'est bien, Carlitos, c'est bien. 48 49 50. Donne-moi le ballon. C'est parfait, il passe dans le groupe suivant. Très bien, continue comme ça, allez. Vous m'avez l'air bien tranquille aujourd'hui, les enfants. Oui. Où sont vos amis? Ils sont allés chercher à manger. Du calme, les enfants! Calmez-vous, vous entendez? L'un après l'autre! Très bien. On va lui dire bonjour. Merci. Tu pourrais pas faire attention? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Fous pas de ma gueule. T'espères gagner le concours avec ces baskets de filles? Oh, la fille! Si on passe à la télé, Hippolyto saura qu'on n'était pas à Founia. Il se mettra en colère et on pourra plus jamais sortir de l'orphelinat. Je vous laisse avec les enfants, Mathias.
On dirait qu'ils sont un peu nerveux, c'est normal. C'est de ce concours que dépend leur sélection dans l'équipe nationale. Ce sont tous d'excellents joueurs, n'est-ce pas, Belen? Désolée, je n'ai pas compris votre question. Non, je vous demandais s'ils étaient bons. Non, il est pas assez. Le numéro 38 est attendu sur le terrain. C'est vrai qu'il est rapide. Numéro 38, dernier appel. Merci. C'est pour une urgence. Hé, ma casquette! Joue en regardant par terre, personne ne te reconnaîtra. On te la rend tout à l'heure, ta casquette, t'inquiète. Eh bien, voilà le numéro 38 qui entre enfin sur le terrain. Il a failli faire attendre les sélectionneurs. Et à votre gauche, quelques spécimens de Theoglossum michorum, plus connu sous le nom de poisson-singe. Qu'est-ce qu'il fabrique? Que dis-tu? C'est encore long? C'est fini. Nous sommes dans la dernière partie de la visite. Bientôt, tu pourras recommencer à grimper aux arbres, comme tes congénères, les primates. Regardez-les bien. On continue. Allez, on y va, avancer. Et restez bien ensemble. Ici, ici, ici. Qu'est-ce qu'il fait, là? Vous avez vu? N'importe quoi. Bonjour, ça va? Salut, Diego, ça va? Salut, il est trop tard. La liste. Alors, où est-ce qu'on en est? Tout va bien, il y a juste un petit qui n'arrête pas de faire l'idiot. Carlitos? Bon, on l'élimine? Non, on pourrait peut-être lui laisser une chance. Il y a plein d'enfants qui attendent. T'as envie de rigoler un bon coup? Ouais. Carlitos, attention! Impressionnant. Espérons que les juges en tiendront compte. Alors, vous êtes prêts, les enfants? Ouais! Gardien, Nacho Garcia. Ouais! Et Eduardo Carrasco. Incroyable! Joueur, Kiko Lopez. Génial! Et Ignacio Aldea. Ouais! José Casa, Juan Quitorero. Cool. Ricky Cruz. Super! Carlitos Bermudez. Super! Yes, yes, yes! Yes! T'es sélectionné, Carlitos, bravo! Raoul Gutiérrez. Dégage, allez! David Miro. Ouais! Constantino Sanz. Ouais! Ouais! T'as réussi! Ouais! Je suis sélectionné! Ouais! C'est super! Je le savais! C'est géant! Qu'est-ce que tu fais là? Luis Calderon. Vous n'êtes pas censé être avec les autres à Fonia? Si, si, bien sûr! Même qu'on y va tout de suite, vite! Fabien Martin. Et nous terminons notre visite par la salle des Rosaitus Aegyptiacos. Ou pour ceux qui, comme vous, ignorent le latin, les chauves-souris. Qui, comme vous êtes censé le savoir, se nourrissent uniquement d'insectes. Et non pas, comme l'a écrit Gutiérrez, de sang en hiver et en été de sangria. Gutiérrez? Gutiérrez? Où est Gutiérrez? J'attends, où est Gutiérrez? Ils sont en toilette, monsieur Hippolyto. Ils sont? De qui vous parlez? De qui vous parlez? Trompe pas, c'est Carlitos. Ils ne sont pas aux toilettes. Où sont-ils? J'en peux plus. On y est presque. Fais un effort. Oh non. Oh, ça doit fonce. J'en peux plus. J'ai une idée. Grande base. Pour la dernière fois, répondez à ma question.
Où se cachent vos amis Trampas et Carlitos? Carlitos! Au secours! J'attends. Où se cachent Trampas et Carlitos? Ils sont... Je peux savoir où vous étiez passé? On était aux toilettes. Aux toilettes, c'est ça, oui. Sale gosse. Hein? Ils l'auront voulu. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler d'activités extrascolaires ni de jeux dans la cour de récréation. Nous allons tout axer sur les études et la discipline. Est-ce que c'est clair? Bien. Point suivant. Monsieur Hippolyto? Oui. J'ai une annonce à vous faire. Si ça ne concerne pas directement ce dont on vient de parler, je vous demanderai d'attendre la fin de la réunion, monsieur Martin. Moi, j'ai quelque chose à dire à ce sujet, justement. Je vous en prie, madame la cuisinière. Madame la diététicienne serait plus exacte. Certains enfants sont en surpoids et auraient besoin... Ils n'ont qu'à moins se goinfrer, et ils maigriront. Je suis d'accord avec Maïté. C'est une mauvaise idée qu'ils ne pratiquent plus aucun Monsieur sport. Monsieur Martin, nous sommes dans un orphelinat. Et je ne vois pas en quoi le sport ou toute autre activité permet d'augmenter le nombre des adoptions. Limitez-vous à votre domaine de compétences et laissez les professeurs faire leur travail. Au contraire, je crois qu'on devrait écouter Diego. Écoutez, madame, cela fait bientôt 30 ans que je dirige cet orphelinat et que j'obtiens d'excellents résultats. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut s'en aller. Point suivant. Questions et remarques. Que vouliez-vous dire, monsieur Martin? Rien. La séance est levée. Un grand merci à tous. Je ne pensais pas te voir ici. Tu devais pas partir. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser les enfants entre les mains d'Hippolyto. Mais un jour, ces enfants partiront et toi, tu te seras sacrifié pour rien. Tu peux pas continuer à le laisser te marcher sur les pieds. Mais enfin, de quoi tu parles? Oui, j'aimerais bien partir, mais c'est bon, Diego. C'est vrai, j'ai pas besoin que tu me donnes une explication. Chacun sa vie, c'est mieux. Je peux savoir ce que tu faisais à ce concours? Ils m'ont sélectionné, c'est super, non? Bien sûr. Bien. Carlitos, il faut que tu laisses tomber. Si Hippolyto l'apprend, tu seras dernier sur la liste des adoptions. Jouer au foot, c'est ce que j'aime le plus dans la vie, Diego. Ça m'est égal. Tu veux rester toute ta vie sans famille? Non. C'est ça que tu veux? Non. Alors quoi? Mais si je peux pas jouer au foot, je serai pas moi, je serai pas heureux. Tu me comprends, pas vrai? Non. Est-ce que je peux y aller? S'il te plaît, Diego. Très bien. Merci. Et toi, tu vas tondre la pelouse des terrains de football? Je tonds pas la pelouse. Tu fais quoi alors? Je serai ton entraîneur. C'est Sig. Voici le plan d'évasion que j'ai mis au point. Les cours finissent à 4 heures. Et on est libre jusqu'à 8 heures. Carlitos, tu as 4 heures pour t'enfuir de l'orphelinat, t'entraîner et rentrer à la prison. Bermudez! Notre ennemi t'a dans le collimateur. Il faut lui faire croire que tu étudies. Quand c'est la fin des cours, tu te rends à la bibliothèque. Mais fais attention, personne ne doit te suivre. Personne ne me suivra, capitaine Trampas. Une fois à la bibliothèque, tu signes le registre.
Bonjour, mon mignon. Est-ce que par hasard, tu saurais où est Trampas? Trampas? Oh, Trampas, c'est quoi ce délire? Trampas? Ben quoi, t'aimes pas? Bon, on reprend tout depuis le début. À la fin des cours, tu te rends à la bibliothèque. Tu inscris ton nom et ton heure d'arrivée. Tu t'assois à la table du fond, comme ça Hippolyto croira que tu es vraiment en train d'étudier. C'est de la fenêtre à côté de la table du fond que dépend toute l'opération. Ce jeu de main ne marche pas. Ah, ça c'est quoi d'après vous? Un papier? Erreur, c'est son passeport pour qu'il puisse s'entraîner avec les autres. Tu devras sortir par la fenêtre et avant de la fermer, tu la coinceras avec le passeport. Elle aura l'air fermée, mais ne le sera pas. Attention! Maintenant, troisième phase de l'opération, s'échapper de l'orphelinat. Une fois à l'extérieur, tu devras suivre ton instinct jusqu'à ce que tu touches la terre ferme. Tu trouveras ton moyen de transport devant la porte principale. Comment je saurais que c'est le bon? Tu le sauras, c'est tout. Et voilà, comme ça tu pourras t'entraîner jusqu'au dîner. Mais il faut bien que j'étudie. Quand est-ce que je pourrais faire mes devoirs? Ben, il n'y a qu'une solution. Pendant la nuit. Bien, deuxième point à l'ordre du jour. Admission de notre bien-aimée Anita dans le club. Qui vote pour? Trampas! On ne veut pas d'elle dans le cercle. Arrête avec ça, t'es lourd! Jamais! Allez, monte! Diego, c'est ta voiture? Oui, pourquoi? C'est juste pour savoir. Ne bouge surtout pas. Bonjour, Marquez. Ça va? Alors, on va faire un petit tour? T'es sûr qu'il n'y a pas d'ampoule à remplacer? Plus pour l'instant. Alors, je vais en profiter pour sortir régler des affaires personnelles, tu vois? Régler des affaires personnelles? J'ai plein d'affaires personnelles à régler, moi aussi. C'est qu'il s'en passe des choses dans cette guérite, tu sais. Qu'est-ce que je vise mal? Désolé pour ta voiture. Marquez, faut que j'y aille. Une petite minute. Pourquoi? Pour que je te réouvre la grille électrique, pardi. On sort, c'est bon. Équipement. Moi, c'est Nacho, je suis gardien. Salut, Nacho. Il est super, hein? Plus que super, ouais. Vas-y. Et toi? T'es de la famille de l'entraîneur? Non. Comment ça, non? T'as été pistonné? Mais non. Je te crois pas. Alors que les choses soient claires, ne croise plus jamais mon chemin à pied cassé. Ouah, pas mal. T'as trouvé d'autres chaussures de filles? C'est bon, laisse-le tranquille. Bonjour, les enfants. Je m'appelle Diego et je suis votre entraîneur. Ouais! Avant tout, je tiens à vous féliciter de jouer aussi bien au foot et d'avoir été sélectionné. Mais attention, sur un terrain de football,
nous montrons qui nous sommes vraiment. Des égoïstes, des lâches ou des garçons pleins de courage. Le foot nous montre sous notre meilleur jour, mais sous le pire aussi. Mais si on décide de donner le meilleur de nous-mêmes, nous formerons une grande équipe. Bon, c'est parti. Prêt pour votre présentation officielle? Ouais, ouais, c'est super. Le maillot dans le short, avancez. Allez, on se dépêche, Carlitos? On se dépêche, on n'a pas toute la journée. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien, mais je préfère attendre ici. Et voilà. Veuillez applaudir les jeunes joueurs de l'équipe qui représentera l'Espagne au prochain championnat d'Europe de football junior. Le staff des entraîneurs les suit de près avec à leur tête Diego Marta. Alors comme ça, monsieur Martin, vous exercez d'autres activités professionnelles en plus de votre emploi dans notre orphelinat. Monsieur Hippolyto, je vous assure que le fait de m'être présenté à ce poste d'entraîneur ne m'a pas empêché de faire mon travail pour vous. Parfait. Vous avez 24 heures pour faire vos cartons et vider les lieux. Quoi? Vous voulez me renvoyer pour cette raison? Vous ne pensiez pas sérieusement vivre impunément au crochet de notre bienfaiteur? Ouais. Monsieur... Monsieur Ignacio est là. Il peut entrer, Marquez. Monsieur Ignacio, comment ça va, Hippolyto? Vous allez bien? Toutes mes félicitations, Diego, c'est magnifique. Entraîneur de l'équipe nationale junior, c'est le rêve qui devient réalité. Notre orphelinat est fier de te compter parmi ses employés, Diego. À propos, maintenant que tu es célèbre et reconnu, j'espère que tu ne vas pas nous quitter. Bien sûr que non, monsieur Ignacio. Merci. C'est la jeunesse qui fait bouger le monde. Oui. T'aurais dû me dire que c'était ça ton offre de travail. Je croyais que ça t'intéressait pas. Chacun sa vie, pas vrai? Je croyais que tu avais abandonné ton rêve d'être entraîneur. Il y a des rêves qu'on n'abandonne jamais. Même s'il est parfois trop tard. Je voulais qu'on vive ensemble. C'est toi qui as toujours refusé. Tu as préféré rester ici sous l'emprise d'Hippolyto. Ça m'a brisé le cœur. Salut. Je t'attends dehors, ok? D'accord. Maïté. Diego, si... Si tu veux du lait ou... Ou autre chose, tu me le dis. Ricky, passe! Passe! Regarde, il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes. C'est bien, Ricky! C'est ça, bravo, Ricky! Ricky, passe! Je suis démarqué! Vas-y, tire, tire, Ricky, tire! Ricky, je suis là! Et il ferait un super avant-centre. Sans doute, mais il faut qu'il apprenne à jouer en équipe. C'est vrai. Allez, les arrières, on remonte défendre son gardien! Plus vite! Belle passe, Kiko! C'est ça! Super, Ricky, super! Allez, on attaque! Ricky! Carlitos, c'est tout seul! Fais une passe, Ricky, à Carlitos! Hey, il se débrouille bien, non? Tu crois qu'il va marquer? Pied cassé. Quel dommage. Il est super doué, mais il n'a pas marqué. C'est parce qu'il n'est pas patient et qu'il n'a pas assez confiance en lui. Fin de l'entraînement! Ne me montre plus jamais la balle! Vous avez entendu? Tout le monde au vestiaire! Allez, allez, on se dépêche! Les enfants, demain, je vous demande d'être ici à 5 heures précises. Comme je ne serai pas là, vous vous entraînerez avec Alvaro. Ouais! Carlitos? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, demain, nous aussi, on va s'entraîner, mais pas ici. Pourquoi? Oh, c'est pas cool! Je suis sûr que tu vas aimer. Allez, on rentre. Il va jouer sans s'entraîner. C'est un pistonné, j'avais raison. Vite! Ça y est, on y est.
Hey, viens, Carlitos, viens. Vas-y. Attrape. Cours, cours, allez. Si je comprends bien, votre travail au sein de notre fondation ne vous plaît plus autant qu'au début. C'est ça. C'est vrai, monsieur Hippolyto, mon travail me plaît moins qu'au début. Pourriez-vous être plus précis, Marquez? N'avez-vous aucune requête particulière à faire à la direction concernant votre travail? C'est-à-dire à moi? Si, bien sûr. J'aimerais bien que vous m'achetiez une belle télévision à écran plat, ça me ferait vraiment plaisir. C'est que je passe presque toutes mes journées assis dans la guérite. Oh, et un uniforme tout neuf parce que le mien est tout élimé. Bon, ça suffit. Parlons sérieusement. Marquez, ce sont vraiment vos seules aspirations dans la vie? Un téléviseur à écran plat? Un nouvel uniforme? Une guérite un petit peu plus grande? Vous voulez vraiment passer le reste de votre vie à ouvrir et fermer la grille d'entrée et la bouche pleine de pêche jusqu'à la retraite? Écoutez, vous ne voudriez pas, par exemple, devenir le nouveau responsable de la maintenance de notre fondation? Il ne nous reste plus qu'à trouver un motif de renvoi pour que ce poste devienne enfin vacant. Et ça, Marquez, c'est votre mission. Vous marchez? Je marche. Waouh, c'est génial! Ouais! Quand j'avais ton âge, on venait souvent pêcher ici avec les profs. Quand Hippolyto a fait mettre une clôture autour de l'orphelinat, j'ai continué à venir en cachette. Ah, un asticot! Tu sais où tu balances ta ligne? Oui. Bien. Sens la rivière, concentre-toi. Ferme les yeux maintenant. Fais-moi confiance. Lance, vas-y. Très bien. Dis Diego, j'aime bien la pêche, mais je devrais pas être à l'entraînement. Maintenant, vous êtes seul. Il n'y a plus que toi et le poisson. Mais c'est toi qui tiens la canne à pêche. C'est toi qui as le pouvoir. Le poisson observe l'asticot. Tu vois, ils veulent manger. Laisse-le se fatiguer, laisse-le prendre confiance. Et toi, prends patience. Comment je saurais qu'il va mordre? Tu le sauras. Ça y est, regarde, il a mordu à l'hameçon. C'est bien, tu le tiens, ramène-le doucement vers toi. Oui, doucement. Le voilà, tu le vois, Diego? Continue à le ramener vers toi, mais tout doucement. Il est là, tout doucement. Je le sors de l'eau. Vas-y, Carlitos. Oui, c'est ça. Oui. Oh, attention. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'attrape, t'inquiète pas. Ah. Reste tranquille, petit poisson, allez. Tu crois que tu vas l'avoir? J'ai jamais vu un poisson aussi gros. C'est bon, on a réussi. Je sais pêcher maintenant. On va s'entraîner? Non, tu restes pêcher. Ah bon? On reste pêcher encore un peu? Non, moi j'y vais, toi tu pêches encore un peu. Quand tu auras réussi à pêcher un poisson tout seul, tu pourras venir t'entraîner. Maïté, mets ça où? Sur la table, je verrai ça après. Voyons voir ça. Alors, c'est le poisson que t'as pêché? Oui, ben, ça m'a pris un peu de temps. Mais grâce à tes leçons, à tes conseils sur le calme et la patience, je l'ai attrapé. Et le voilà. C'est une belle prise, hein? Ouais, ouais, ouais. Tu sais quoi, Carlitos? Quoi? C'est la première fois que je vois une sardine d'eau douce. Et il y a autre chose de bizarre. Hum? Tu l'as attrapé par le ventre et pas par la bouche. Tu me montreras comment t'as fait? Oui, Diego, avec plaisir. Demain, je peux m'entraîner? Non. Quoi? T'as essayé de me rouler, alors la prochaine fois, je veux que tu me ramènes 3 poissons. T'es sérieux? Mais je... Je veux que tu pêches 3 poissons et pas un mois. Mon poisson? Si jamais Hippolyto l'apprend, il va lui couper les ailes comme il l'a fait avec moi, Maïté. Et ça, je ne peux pas le permettre, tu comprends? C'est mon devoir de l'aider. Carlitos est doué, tu le sais bien.
Diego, je sais ce que tu ressens. Mais... Maïté, un enfant seul, qui n'a pas de famille, ni personne pour le protéger, on est réduit à remercier son bourreau de le punir. C'est ce que j'ai fait avec Hippolyto. Pourquoi tu partirais pas enfin de l'orphelinat? Tu as décroché un bon travail et plus rien ne te retient ici. Tu crois vraiment? Maïté, je peux avoir du lait? Carlitos, tu comprends quelque chose à l'exercice de... Carlitos ? Carlitos ? Tu sais où tu vas lancer ta ligne? Ferme les yeux. Concentre-toi. Le poisson observe l'asticot. Laisse-le se fatiguer. Laisse-le prendre confiance. Et toi, prends patience. Sadea, toi aussi, très bien. Carlitos et Vidal, vous ramassez les deux sars, les autres, au vestiaire. Bien les enfants, à demain, reposez-vous bien ce soir. Hein. Bonne soirée. Oui, à demain. Et prenez un bon petit déjeuner demain. Passez-moi vos deux sars. Tiens, une soirée. Pourquoi t'es revenu?
venu. On était bien sur toi à pistonner. Tu vas me le payer. Fais pas attention à eux, viens. Vite, dépêche-toi. Les formulaires, là, je les vois. Alors... Ça, c'est Aldea. Nacho. Moi, toi... Je l'ai, Carlitos Bermudez. Alors, voyons... Ça, alors. Monsieur, viens quand il veut, il est en haut de la liste. Et je t'ai rien demandé, ok? Laisse-le tranquille. C'est normal, comme t'es orphelin, l'entraîneur a pitié de toi. Je comprends pourquoi tes parents t'ont abandonné, t'es vraiment qu'une tâche. Tu vas me payer. T'es dans la même équipe, arrête. Stop. C'est quoi ce raffut? Ricky, Kiko, à la douche, allez. Et toi, pourquoi tu te battais? C'est ta faute, pas la mienne. Si je m'étais entraînée avec eux, au lieu d'aller à la pêche, ils m'en voudraient pas. Alors, de 21h23 à 21h47, ou si vous préférez, de 9h23 à 9h47 du soir, il a parlé sans interruption avec la cuisinière. Avec Maïté. De quoi ont-ils parlé? Aucune idée. Mais ils ont bu un café au lait et mangé des biscuits. Deux. Poursuivez. À 8h du matin, ou si vous préférez, à 8h00, la cible s'est réveillée d'un coup. Il est allé aux toilettes et s'est douché. Et puis il est retourné aux toilettes. Marquez, passez-moi les détails et continuez. Mais attendez, chef. C'est maintenant que ça devient intéressant. À 17h12, ou si vous préférez... À 5h12, oui, je sais, continuez. De l'après-midi. Le garçon qui répond au nom de Carlitos Bermudez... Bermudez, mais pourquoi on parle de ce gosse? Il s'est enfui de l'orphelinat par un trou dans le grillage pour aller pêcher dans le petit ruisseau. Et vous savez à qui il a donné ses poissons, chef? Désolé, monsieur Hippolyto, mais je n'ai pas eu... Mais je suis content de voir que tu prends mes conseils au sérieux. Tu étudies beaucoup, c'est très bien. Ça mérite une petite récompense. Je te conseille de préparer la question numéro 6. Vous allez poser la question numéro 6? N'oublie pas, 6. Super, Carlitos, merci. Merci pour le tuyau, Carlitos. La question numéro 6. Merci beaucoup, Carlitos. Bonjour, Balanita. C'est moi que tu cherches? Elle aime jouer à l'inaccessible avec moi. C'est son arme de séduction. Compas, quand est-ce que tu apprendras à te taire? Les enfants, veuillez aller vous asseoir. Gutiérrez, enlève-moi ces lunettes. C'est mon porte-bonheur, faut que je les garde. De toute façon, porte-bonheur ou pas, tu vas rater. Bon, très bien, l'examen va commencer. Prenez une feuille blanche et un stylo. Les enfants, vous êtes censés être l'orgueil de cet orphelinat. Mais vous avez honteusement échoué à l'examen de connaissances élémentaires du milieu. C'est pour cela que vous allez tous le repasser. Écrivez, pour les CE2, question numéro 7. Pour les CM1, question numéro 2. Et pour les CM2, question numéro 12. Mmh.
éternuer sur ma veste. C'est dégoûtant. Non, non, ne me touchez pas. Laissez ma veste tranquille. Vous l'avez assez abîmée comme ça. Allez, allez-vous-en dehors. Je ne peux plus vous voir dans cette classe. Je suis le justicier de la nuit. Et toi, vous êtes très malin, je le reconnais. Félicitations. Vous avez réussi à me berner sans que je m'aperçoive de rien. Mais j'ai une petite surprise pour toi, Bermudez. En réalité, je n'ai pas marché dans votre jeu. Car je sais tout. Je vous jure que j'ai étudié, je peux repasser l'examen si vous voulez. Non, non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas étudié, Bermudez, parce que tu t'es échappé de l'orphelinat. Oui, cher collègue, au lieu d'étudier, il s'est enfui de l'orphelinat pour aller pêcher. Monsieur Hippolyto, il faut que vous sachiez que... Y a-t-il, monsieur Martin? Vous pouvez nous apporter des informations sur l'affaire en question? C'est moi qui l'ai emmené à la pêche. Hein? Ce que vous venez de nous dire, monsieur Martin, c'est que vous vous êtes rendu coupable d'insubordination. Je me suis dit que la pêche, Vos motivations ne m'intéressent pas, monsieur Martin. Ce que vous faites est impardonnable. En emmenant Carlitos Bermudez à la pêche, vous l'avez empêché de réviser et poussé à tricher. Vous venez de mettre l'avenir de ce petit en danger, monsieur Martin. Non, monsieur, celui qui met l'avenir de nos petits en danger, c'est vous. Monsieur Martin, veuillez rassembler vos affaires et quitter cette fondation sur le champ. Ce que vous faites est indigne d'un homme censé être impartial. Vous commettez une terrible injustice, non seulement envers moi, mais aussi envers ce petit. Si vous n'aimez pas ma façon de diriger cette fondation, pourquoi ne m'avez-vous jamais remis votre démission? Je suis désolé, Carlitos. Kiko, tu seras avant-droit et Aldea, tu seras libéraux. Ouais, super. T'es content, Aldea? Beaucoup. Et Ricky, tu seras en pointe. Vous êtes les joueurs titulaires, compris? Et Carlitos? Et Carlitos? Il n'est pas repris? Carlitos a laissé tomber. Allez, l'entraînement va commencer. Tout le monde en place. Allez! Sa maman lui a interdit de jouer. Impossible, il n'a pas de maman. Quel nul. Il a raison. En plus, il a l'air... Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que je suis un con? Et que je suis nul? Répondez-moi. Non, coach. Je suis orphelin, tout comme Carlitos. Est-ce que je ne mérite pas votre respect? Ça vous pose un problème que je sois votre entraîneur?
20 minutes de course à pied. Vous nous assurez qu'il n'est pas malade ? Nous voulons un enfant sain et robuste. Il est tout ça, c'est vrai. C'est un enfant très sportif. Il a deux passions, le football et la pêche. Pas vrai, Carlitos ? Il s'adaptera sans problème à la vie à la campagne. La campagne ? Allons, allons. Ne t'inquiète pas, on n'est pas fermier, on a un commerce. Ça va être super, tu vas travailler dans notre bar. Ne prends pas cet air constipé, on gagne beaucoup d'argent, tu verras. L'eau froide, c'est excellent pour les mains, ça les rend plus dures. Bon, l'argent de la donation a envie de sortir de la poche de mon gilet. Alors, marché conclu? Mais bien sûr, voyons, marché conclu. Félicitations. Eh bien, c'est parfait, je vais chercher votre contrat d'adoption. Il a l'argent, c'est malin. C'est pas grave. Je pourrais continuer à aller à l'école ici? Juste pour savoir. Tu sais additionner et soustraire? Ouais. Alors tu sais tout ce qu'il faut pour travailler dans un bar. Hein? Quelle chance, plus d'école. Tu pourras boire tout ce que tu voudras, gratis. Le tirage au sort n'a malheureusement pas été très favorable pour notre équipe. L'Allemagne va affronter la Grèce et l'Espagne va jouer contre la France. C'est donc l'Allemagne qui a le plus de chances de remporter ce championnat d'Europe junior. J'ai trouvé! Tu n'as qu'à t'échapper et vivre dans les bois comme Rambo. Ou aller te cacher dans le bâtiment des filles. Je suis sûre que si tu mets une jupe, personne ne te reconnaîtra. C'est bon. Tout va bien se passer. Je vais aller avec eux et vivre à la campagne. Je passerai mes journées au bar à servir de l'alcool. J'apprendrai à jouer au domino. Et j'oublierai le football. Mais le foot, c'est toute ta vie. C'est terminé, Trompas. C'est terminé. Tiens, pour le voyage. T'es sûr? C'était Bombec dernière génération. Je m'en fiche, le chinois m'en fournira d'autres. En plus, je préfère que ce soit toi qui les manges que c'est ta. Sa dépendance au sucre rend ma boule. Je dois vous dire quelque chose. Merci pour tout. Vous avez été comme une famille pour moi. J'ai un petit creux. Je vais manger un truc. Mais on a déjà mangé ce soir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais savoir si tu allais bien. Et Carlitos? Eh bien... il a été adopté et il s'en va demain. Mais il n'a pas l'air heureux. Il n'a rien mangé ce soir. Et chaque fois qu'on lui en parle, il a l'air triste. Ici, où sont mes nouveaux parents? Diego va tout expliquer, d'accord? Bonjour. Bonjour. Monsieur Hippolito va pas du tout aimer ça. Je me fiche pas mal de ce que va penser Hippolito. C'est toi qu'il s'agit. Carlitos, le foot, c'est ta passion. Tu as tout fait pour être dans l'équipe junior. S'il y a bien quelqu'un qui mérite de jouer ce championnat, c'est toi. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est vraiment... quelle tâche, ce mec. Je me suis pas entraînée comme il faut. Tu es aussi prêt que les autres, tu le sais très bien.
Diego, excuse-moi, il faut qu'on embarque. Une minute. Viens avec nous. En rang deux par deux, on va embarquer. Monsieur Hippolyto, les parents adoptifs du petit Carlitos Bermudez sont toujours assis dans l'entrée. Le gosse est toujours pas descendu. Hé, hey, où est ton copain? Où est-ce qu'il est? Réponds! Dans son lit. Il est parti sans me dire au revoir. Chose, que l'Espagne réussisse ses débuts dans ce championnat de niveau international, qu'elle joue son meilleur football, qu'elle gagne ce premier match et qu'elle accède à la finale. Ça y est, c'est parti. L'Espagne est déjà en possession du ballon et le fait circuler au milieu du terrain. Mais comment a-t-il pu disparaître? C'est impossible. Je croyais que le but de cette fondation était d'offrir à ces pauvres petits un refuge jusqu'à ce qu'ils trouvent une famille. Je vous prie d'accepter mes excuses. C'est gentil, mais nous, on doit absolument ouvrir le bar ce soir. Nous, si on a adopté... Carlitos. C'est ça, Carlitos, c'est parce que monsieur... Hippolyto. Hippolyto nous l'a recommandé. Alors, s'il n'est pas là, c'est pas grave, on en prend un autre et le tour est joué. Partez, je ne veux plus vous voir ici. Vous ne méritez pas d'être parent. Mais attendez une minute, nous ce qu'on veut... Partez, vous entendez? D'accord, mais... Vous avez entendu ce qu'a dit monsieur le directeur? Partez immédiatement, dehors. Dehors. On s'en va. Et vous trouvez où est passé Carlitos? Bien, bien. Où est-ce qu'il est, Carlitos? J'en sais rien. Silence! Bonjour à tous. Je vous ai convoqué parce que Carlitos Bermudez, qui est en CM2, a disparu. Si l'un d'entre vous sait où il est, ou s'il n'a même qu'une vague idée de l'endroit où il pourrait se cacher, qu'il le dise tout de suite à la direction. Tout silence sera considéré comme de la complicité et sévèrement puni. Est-ce que c'est clair? Oui. Les cours sont annulés, vous pouvez disposer. Ouais. Plus un mot! L'Espagne tente d'attaquer de tous les côtés, mais rien n'y fait. Impossible de percer la défense française. On se dirige vers le match nul. Plus que 2 minutes à jouer et ce sera la mi-temps. On dirait que Ricky veut tenter sa chance. Il fonce vers le but français. Carlitos devant la balle. Attention, il est dans la surface de réparation. Ricky décide d'y aller seul. Attention, il tire. Ouh, elle est dehors. C'était la plus belle occasion de l'équipe d'Espagne. Dommage qu'elle n'ait rien donné. Ricky aurait pu passer la balle à son équipier. Ils auraient eu plus de chances de marquer. Le gardien français relance. Attention. Pour rien, car l'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps et aucun but n'a été marqué. Espagne 0, France 0. Ricky, tu joues dans une équipe. Et alors? Et alors Carlito, c'était tout seul. Il est peut-être mort. Les amis, la situation est grave. Je crois qu'il faut nous attendre au pire. C'est Zig. À la tienne, mon frère. Le régime est terminé. Attends.
Attention, il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Toujours 0 à 0, c'est la France qui a le ballon. Le joueur français va tirer un coup franc. L'équipe espagnole retient son souffle, il tire et Nacho repousse la balle. Et Nacho réussit même à récupérer le ballon, ce qui permet à l'Espagne de se libérer de la pression française. Attention, la contre-attaque est lancée vers le but adverse. Plus qu'une minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Attention aux prolongations. Oula, belle récupération de Carlitos. Il se débarrasse facilement du joueur français. Sur le banc, tout le monde a l'air ravi. Il continue, oui, un joueur, deux joueurs. Carlitos continue sa course vers le but français. Rien n'a l'air de pouvoir l'arrêter. Il traverse tout le terrain. Aucun équipier n'est là pour l'aider, mais ça n'a pas l'air de le perturber. Il continue, il fonce vers la surface de réparation. Il est suivi de près par un joueur français. Oula, où il y a faute. Que dit l'arbitre? Pénalty en faveur de l'équipe d'Espagne. Le public explose de joie, l'émotion est à son comble. L'Espagne décroche un pénalty à une minute de la fin. Cette fois, l'Espagne a une bonne chance de gagner le match. Quel fan match, chers téléspectateurs. Un pénalty en faveur de l'Espagne et c'est Carlitos qui s'avance pour le tirer. Il place le ballon sur le point de pénalty. Quelle responsabilité pour un si jeune garçon. Attention, le gardien français a l'air très concentré. Carlitos sent la pression de tout un pays sur ses épaules. Un petit regard vers le banc de touche qui l'encourage. Et l'arbitre lui fait signe de tirer. Il prend son élan. Il s'avance, il tire. Oh, le gardien repousse et la balle frappe la transversale. Et c'est Ricky qui tire. Manqué de Carlitos. Allô? Diego, la direction a fait appel à la police pour retrouver Carlitos. Ils ont des soupçons? Non, pas pour l'instant. Tout sera fini en fin d'après-midi, alors tiens bon. Pardon, Maite Gonzalez? Que puis-je pour vous? C'est à vous de répondre aux questions. Très bien, j'arrive. Je vous attends. Il faut que je te laisse. Maite. Quoi? Merci de croire en moi. J'ai toujours cru en toi. Bonne chance. J'abandonne, je suis un pied cassé. Pourquoi tu dis ça, Carlitos? Je compte sur toi, tu es un de mes meilleurs joueurs. Non, Diego, c'est pas vrai. Un joueur en équipe nationale peut pas rater un pénalty. Il peut pas perdre tous ses moyens. Il peut pas être nul. J'abandonne. Messieurs, j'ai quelque chose. Se trouve Carlitos Bermudez. On peut dire que l'Allemagne est qualifiée pour la finale. Elle mène 5 buts à 0 contre la Grèce. Et pour l'instant, elle survole ce championnat. L'Espagne devra puiser dans toutes ses ressources pour avoir une chance de l'emporter. Les enfants, on va jouer la finale contre l'Allemagne. Ouais. Ce sont les actuels champions d'Europe. Ils sont plus forts que nous, plus grands que nous, plus puissants que nous, et ils vont probablement gagner. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. On s'est qualifié pour la finale, ce qui est plus que ce qu'on aurait jamais pu rêver. Je veux qu'une fois sur le terrain, vous fassiez ce que vous savez faire. Jouer au football. Ouais. Petit changement dans la ligne d'attaque. Je fais entrer Aldea. Super. Et je mets sur le banc de touche Carlitos Bermudez. Les enfants, ne vous laissez pas impressionner. Il faut vous battre comme des lions. Bon, allez, on y va. Allez. Allez, messieurs. Campas, attends. L'Espagne est en finale, regarde. On va commencer dans quelques minutes. Vous pouvez le voir sur ces images, il n'y a plus une seule place de libre dans les gradins. Les équipes entrent sur le terrain, tout le monde se met en place, tant du côté espagnol que du côté allemand. C'est l'Espagne qui a gagné la mise en jeu. Les joueurs attendent le petit sifflet de l'arbitre pour commencer.
Et c'est parti. Kiko pour Ricky, qui repasse à Kiko. Kiko passe à Aldea. Premier ballon pour l'Espagne, tout de suite récupéré par le numéro 6 allemand. La tension monte du côté espagnol. Kant part sur le côté droit, centré, il tire. Ouh, bel arrêt de Nacho. Nacho relance tout de suite le ballon. Ici. Et c'est Del Cerro qui s'en empare. Mais le numéro 6 allemand, encore lui, le récupère. Il le passe à Hansen qui se positionne et tire. Et c'est le but. C'est le but, but de Hansen. Oh, la balle à l'ombre, le gardien espagnol qui n'a rien pu faire. Très belle action collective de l'équipe allemande. Allemagne 1, Espagne 0. Espérons que l'Espagne ne va pas subir le même sort que la Grèce. Laisse-le tranquille, Ricky. Les joueurs espagnols sont nerveux. Les entraîneurs essaient de les calmer. Alors que du côté allemand, c'est l'euphorie. Tout le monde reprend sa place. L'Espagne va bientôt remettre en jeu. On se dirige vers la fin de la première mi-temps. C'est le moment ou jamais pour l'Espagne de revenir à la marque. C'est Ricky qui a le ballon. Il s'avance vers le but allemand. Il tire. Ouh, bel arrêt de Marcus. L'arbitre s'apprête à siffler la fin de la première mi-temps. Dommage pour l'Espagne qui n'a pas mis à profit cette dernière occasion. Et voilà, l'arbitre siffle la mi-temps. Les joueurs vont rejoindre les vestiaires. Le score à la mi-temps, 1-0 pour l'Allemagne. Il reste encore 45 minutes d'émotion à vivre. Le titre de champion d'Europe est en jeu. Alors espérons que l'Espagne se ressaisisse et trouve comment contrer le rouleau compresseur allemand. C'est pas grave, les enfants, allez. Vous avez très bien joué, vous entendez? C'était parfait. Ne vous laissez pas abattre, d'accord? Le match est pas fini, on va gagner. Vous entendez? On va jouer et on va gagner. Vous devez y croire. Vous devez plus regarder ce qui se passe autour de vous, plus faire circuler le ballon. Tu as fait un match excellent, je suis fier de toi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on n'a pas marqué? Si on me passe pas de ballon, je peux pas marquer. Je peux pas tout faire tout seul. Tu as raison, Ricky. Tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est pour ça que tu vas retourner sur le banc. Qu'est-ce qui te prend? T'es complètement fou? Le football, c'est un sport d'équipe et pas 11 types qui font ce qu'ils veulent sur le terrain. Tu sais pourquoi on n'a pas marqué? Parce que tu ne fais pas confiance à tes camarades. Alors tu vas sur le banc. Alors on va perdre. Et on n'est pas ici pour gagner. On est ici pour apprendre. Toi, tu ne veux rien apprendre et tu le payes maintenant. Ricky! Carlitos, va te préparer, tu remplaces Ricky. Mais Diego... Écoute-moi bien, Carlitos. Tu joues magnifiquement bien au foot. Tu es très rapide, tu es plein d'imagination, tu es généreux. Et surtout, tu as confiance en tes camarades. Alors tu vas enlever cette veste et montrer au monde entier qui est le vrai Carlitos Bermudez. Je crains que ça ne soit pas possible. Maïté? Votre petit ami nous a mis au courant du complot que vous avez mis au point pour enlever Carlitos. Mais de quoi vous parlez? Il n'y a aucun complot et personne n'a été enlevé. Écoutez, je sais... Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est moi qui ai eu l'idée de le faire participer à ce match. Maïté et Carlitos ne sont pas coupables. Je vous arrête pour enlèvement de mineur. Mais si je suis là, c'est parce que je l'ai voulu. C'est très gentil de ta part, Carlitos, mais le témoignage d'un enfant de 10 ans n'a pas de valeur juridique. Monsieur Ignacio. Je ne comprends pas comment tu as pu faire une chose pareille, Diego. San Aldemaro m'a tout donné. Il m'a donné un toit, de l'instruction, des personnes que j'aime. Mais il ne m'a pas donné la possibilité d'être moi-même. Il va commencer... Non, laissez-le parler. Carlitos est ici parce qu'il l'a désiré. Je l'ai seulement aidé à prendre sa décision. Et je ne le regrette pas. Bien qu'on l'en ait dissuadé, il n'a pas laissé tomber son rêve, contrairement à moi. Carlitos est libre maintenant. Si ça fait de moi un coupable, alors j'accepte mon sort. Très bien, bravo, bravo, bravo. Superbe tirade, monsieur Martin. Mais ces messieurs n'ont pas toute la journée. Embarquez-les. Venez, monsieur. Monsieur Ignacio, s'il vous plaît, plus que 45 minutes et le rêve de ces enfants deviendra réalité. S'il vous plaît, monsieur Ignacio. S'il vous plaît, pas de problème. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il reste jusqu'à la fin du match. Mais c'est à vous de voir. Très bien. Mais nous le surveillerons. L'enfant, quant à lui, vient avec nous. On ne peut pas courir d'autres risques. Diego! Diego, fais quelque chose! Allez! Mais je ne peux pas y aller! Calmez-vous. C'est bon, on y va!
Le public est là, les joueurs sont à leur poste. L'arbitre vient de siffler. C'est parti pour la deuxième mi-temps. L'Allemagne est en possession du ballon. L'Allemagne qui mène toujours 1-0. Passer la vitesse supérieure au niveau de la puissance ainsi qu'au niveau du jeu. En deuxième faute sur Kiko et l'arbitre laisse jouer. Allez-y, arrêtez-le. Qu'est-ce que l'arbitre attend pour siffler? Ça suffit. Enfin! Ah, on l'a coincé. 35 ans passés à vivre au crochet de l'orphelinat, mais maintenant c'est fini, terminé. On ne le reverra peut-être, plus jamais. Peut-être, mais ne soyez pas aussi dur, Hippolyto. Diego a fait une erreur. Mais reconnaissez que c'est la première fois qu'il nous crée des problèmes. On voit bien que pendant toutes ces années, vous n'avez jamais eu à travailler avec lui. Il refusait mon autorité et se mettait systématiquement du côté des petits, quoi qu'ils aient fait. Mais les enfants l'adorent, n'est-ce pas? Oui, et c'est le problème, justement. Mais pourquoi c'est un problème, hein? Parce qu'Hippolyto déteste les enfants et qu'il se fiche de leur bien-être. Je ne vous permets pas. Il n'y a plus d'équipe à San Aldemaro parce que vous êtes jaloux de Diego. Et moi, il m'a fait rater mon examen pour m'empêcher de faire partie c'est de l'équipe nationale junior. C'est vrai, il est méchant, il déteste les enfants. Faire enfant malfaisant, tais-toi. Ça fait des années que j'essaie de me débarrasser de toi, même quand je demande que quelques euros, ça ne marche pas. Carlitos, ça va? C'est quoi cette histoire d'euros? Je vous rappelle que c'est moi qui finance totalement la fondation. Il n'a jamais été question de demander de l'argent aux futurs parents adoptifs, voyons. Le public continue à encourager l'équipe d'Espagne. Il continue à la soutenir. Mais il faut bien avouer que ce sont les Allemands pour le moment qui font le jeu. Et ça va être difficile de revenir à la marque. Diego, les renforts sont là. Montrons-leur ce qu'on sait faire. On fait un changement. Le 4 sort et le 10 entre. Allez. La fin du match approche. Plus que 5 minutes avant le coup de sifflet final. L'équipe d'Espagne tente le tout pour le tout et fait entrer le numéro 10. Carlitos. J'espère que ce changement va apporter un souffle nouveau qui manque à l'Espagne actuellement. C'est lui, c'est... L'équipe d'Allemagne a montré sa terrible efficacité et sa puissance tout au long de ces 80 minutes. Il reste 10 minutes à l'Espagne pour inverser le résultat. Le numéro 4 quitte le terrain. Il est félicité par son entraîneur. Carlitos. Tous les espoirs de l'Espagne reposent c'est Carlitos. Sur Carlitos. Ouais. Vas-y, Carlitos, mon preneur. Tu vas voir, il va marquer. L'Espagne ne baisse pas les bras, elle continue de pousser. C'est Carlitos qui a la balle. Attention, la défense allemande essaie de l'arrêter, mais sans succès. Il passe à un joueur, deux joueurs, rien ne l'arrête. Ses équipiers viennent en appui. Attention, numéro 6. Regardez comment il se débarrasse de ses défenseurs, c'est magnifique. Il centre qui coule là devant le but allemand. Il ajuste sa position de tir. L'Espagne a marqué. Superbe action conjointe de Carlitos et de Kiko. L'Espagne égalise à 2 minutes de la fin. Le public exulte. Alors que le match semblait être plié, l'Espagne est revenue au score. Espagne 1, Allemagne 1. Quelle fin de match incroyable. Les Allemands ont l'air abattus. Plus que 2 minutes de jeu et ce sont les prolongations. Vous avez une télévision? Il ne reste plus que 2 minutes à jouer. Les Allemands se relancent à l'assaut du but espagnol. Attention à tir. Ouh, le gardien repousse la balle sans super problème. Bien joué, Nacho. Yeah. Nacho qui cherche à relancer. Ce sera sans doute la dernière occasion du match. Les Espagnols remontent vers le côté allemand. Sauf Carlitos qui court vers son gardien. Passe-le-moi. Mais Carlitos, t'es sûr? Passe-le-moi, ça peut marcher. Bonne chance, mon pote. Contre toute attente, Nacho passe le ballon à Carlitos. Et Carlitos s'arrête. Mais qu'est-ce que tu fais, Carlitos? Passe le ballon! Étrange. Personne ne sait ce qui se passe. Ni l'entraîneur allemand, ni l'entraîneur espagnol, Diego Martin. Carlitos est toujours immobile dans la partie de terrain espagnole. Le public retient son souffle. Carlitos regarde le chronomètre. Ses équipiers lui demandent de passer le ballon. Nous sommes à moins d'une minute de la fin du match. Carlitos est toujours immobile. Plus que 45 secondes. 45 secondes et ce sont les prolongations. Carlitos n'a toujours pas bougé d'un pouce. C'est maintenant ou jamais.
Ça y est, Carlitos part seul avec le ballon. Pour ce qui sera la dernière occasion de l'équipe espagnole. Carlitos fonce vers le but allemand. Oh, le petit pont magnifique. Il récupère le ballon, il continue sa course vers le but. Rien n'arrête et surtout pas la méfiance allemande. Oh, la superbe roulette. Et ça continue, il passe un défenseur. Deux défenseurs. Oh, l'entraîneur allemand a beau hurler, ils ne peuvent rien contre l'avant de Carlitos. Il continue à courir vers la surface de réparation adverse. Il ne reste plus que 7 secondes. Le gardien avance vers lui, Carlitos entre dans la surface de réparation. Oh, il tombe. Penalty! Penalty! L'Espagne va tirer le pénalty qui va peut-être donner la victoire à l'Espagne. Eh bien, c'est Carlitos Bermúdez. C'est lui qui prend ses responsabilités et va tenter d'offrir à l'Espagne le titre de champion d'Europe junior. Il ne faut pas qu'il pense à son pénalty manqué en demi-finale contre la France. Le gardien allemand essaie de l'intimider. Est-ce que ça va l'influencer? Carlitos semble avoir retrouvé sa confiance ainsi que celle de son entraîneur. Il se prépare à tirer. Oh, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un joueur sur le point de tirer un pénalty à un moment aussi important du match? Le gardien essaie toujours de le déconcentrer. Ferme les yeux. Le poisson observe l'asticot. Laisse-le se fatiguer. Laisse-le prendre confiance. Et toi, prends patience. Comment je saurai qu'il va mordre ? Tu le sauras. La tension est à son comble. Tous les regards sont tournés vers le point de pénalty où Carlitos Bermúdez se prépare à faire entrer l'équipe nationale junior dans l'histoire. Voilà, les deux joueurs sont prêts. L'arbitre siffle, Carlitos tire. Bonjour, monsieur Ignacio. Bonjour, Carlitos. Assieds-toi, s'il te plaît. Et voilà, Carlitos. Maïté et moi avons étudié ton dossier avec beaucoup d'attention. Nous allons tout expliquer pour que tu comprennes bien notre décision. Beaucoup de choses ont changé depuis que Maïté est notre directrice. Par exemple, vous n'êtes plus obligé de quitter San Aldemaro dès votre 12e anniversaire, c'est bien, non? Mais certaines choses restent encore en suspens. Comme les erreurs de jugement de l'ancienne direction au moment de vous choisir une nouvelle famille. Ce genre d'erreur est très difficile à rattraper. Surtout dans ton cas. Tu saisis? Oui. Je suis beaucoup trop vieux. C'est trop tard pour moi. Ces derniers mois, nous n'avons pas cessé
de te chercher tes parents adoptifs, mais ça n'a pas été possible, comme tu le sais. Tout comme il n'est plus possible de garder le secret plus longtemps. Carlitos ? Veux-tu être notre fils ? Ça? Super facile, c'est parce qu'elle est amoureuse de moi. Hé, les copains, venez vous servir. Ouais. T'es libre, mon ballon chéri. Hé, petit, écoute. Je peux t'avoir des ballons réglementaires à des prix super intéressants. Hmm? Parole de chinois. Il est chinois? C'est super trop délire. Pensar, sentir.
Solo tienes que dejar salir lo que hay en ti, ser tú mismo nada más.